Cette tête, sculptée dans le marbre, représente Plotine, l'épouse de l'empereur Trajan, qui régna sur l'Empire romain de 98 à 117 après Jésus-Christ. Le portrait de l'impératrice est d'une qualité d'exécution exceptionnelle et bénéficie d'un état de conservation remarquable. Seul, le nez et les pavillons des oreilles manquent. Cette tête a été mise au jour à Ostie, le port de Rome, dans les thermes de la Porte Marine, où elle s'élevait certainement à côté d'une statue de Trajan. Plotine est une femme qui marqua fortement son temps. Très proche de son époux, elle influença beaucoup sa politique, en faveur du peuple notamment. Elle est aussi, selon certaines sources littéraires, à l'origine de l'accession d'Adrien à la succession de Trajan. Signe de son importance, elle fut divinisée en 121 après Jésus-Christ. Le portrait de Plotine, véritable chef-d'œuvre de la sculpture du IIe siècle de notre ère, est la pièce maîtresse de la collection de portraits romains du Musée d'art et d'histoire, la plus importante de Suisse. Thank you.